Babin, éditrice sur les ouvrages sonores et plus généralement chez Gallimard Jeunesse Musique. Je voulais vous parler de Paco, mais avant de vous parler de Paco, je voulais un peu rappeler d'où vient Paco en fait. On a réalisé depuis 2009 une collection que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mes petits imagiers sonores. Un des premiers titres c'était La Ferme. Notre volonté c'était vraiment dès le plus jeune âge d'ouvrir le monde sonore aux enfants. Donc ça a été d'abord autour de tout ce qui était dans l'environnement de l'enfant, les animaux, les oiseaux. Après on a proposé des instruments, mais donc pour des enfants de 1 an à 3 ans. Et sur un principe sonore assez novateur, puisque c'était une image, un mot, un son. Il suffit d'appuyer, enfin bon, je pense que vous connaissez le principe. Et on a pensé aux grands frères et on s'est dit que pour accompagner les enfants à un tranche d'âge un peu plus supérieur, on a imaginé Paco. Paco, c'est l'histoire d'un petit personnage créé par Magali Lehuche qui va découvrir en fait les instruments de l'orchestre et les instruments de la fanfare. Là, ce qui était très important pour nous, c'était que Magali Lehuche, grâce à ses personnages et son dessin qui est très anecdotique, qui a plein de malice et plein de qui est très vivant, elle accompagne la musique qui est elle aussi raconte une histoire. Les extraits sonores qu'on a choisis sont issus du Carnaval des animaux. La partition 500, c'est très riche, très sensible, et le trait de Magali Lehuche aussi. Et donc on voulait vraiment que l'image et le son suffisent presque, que l'histoire soit qu'un petit prétexte, un petit fil conducteur pour les parents. Et je pense que Magali a vraiment réussi le pari qui n'était pas facile pour elle. Ce qui est nouveau aussi pour cette collection, c'est justement la technologie. C'est-à-dire que vous avez d'habitude tout ce qui est puce sonore, c'est sur des ouvrages cartonnés. Là, c'est un vrai livre avec du papier, ce qui permet aux enfants plus grands de se sentir à l'aise avec l'objet. Et vous avez une puce qui est sur pression, avec une qualité sonore vraiment particulière et très bonne, parce que je passe beaucoup de temps en studio avec une ingénieure du son pour que le rendu soit excellent, le plus proche possible. Et c'est ce qui fait, je crois, la qualité principale de l'ouvrage aussi. Et les enfants peuvent retrouver après toutes les puces sonores et s'amuser à reconnaître les instruments. Ce qui était important pour nous aussi, c'est qu'on entende les instruments séparément, parce que pour entendre que l'enfant découvre bien le timbre instrumental, mais que la musique, ça se fait ensemble. Et donc à la fin, pour chaque titre de la collection, on a l'orchestre qui joue tous ensemble, les instruments qui jouent tous ensemble, et c'est à la dernière page. Donc, que ce soit les instruments de l'orchestre ou les instruments de la fanfare, on a isolé tous les instruments un par un, et à la fin, on joue tous ensemble, parce que la musique, c'est quelque chose qui se fait, voilà, qui est très collectif, et c'est ça qui est important aussi à faire passer.